Les abeilles ont coincé un frelon européen là, elles sont en train de s'acharner dessus. Bon, elles s'acharnent un peu sur moi aussi. Voilà, apparemment, elles sont en train de le neutraliser. On le voit là, il est au milieu de la grappe. Donc c'est bien un frelon européen. Alors il se débat, ils essayent de le neutraliser. Je pense qu'elles vont y arriver là. Il y a un petit groupe qui ne le lâche pas. Allez les filles! Ouais, confondre un peu, c'est à côté de l'appareil photo. Là, on voit pas sur la vidéo, mais il y a une quinzaine d'abeilles sur l'appareil. Voilà, je pense que le frelon, son compte est bon. Donc par le nombre, elles arrivent quand même à le vaincre. Il n'est pas mort, hein. Il est encore en train de bouger là. Ben, faut dire que c'est une sacrée bestiole aussi, hein. Donc les abeilles ont du mal, hein. Elles le mordent, mais bon, ça lui fait pas grand chose. Et surtout, elles tentent de le piquer. De lui piquer entre les segments, ce qui le paralyse, et là, à partir de ce moment-là, elles peuvent l'achever. Donc là, le combat peut durer plusieurs dizaines de minutes. Et là, visiblement, elles ont réussi à vraiment le mobiliser, enfin, l'immobiliser. Donc peut-être qu'elles ont réussi à, une abeille a réussi à le piquer. Donc on voit bien la masse d'abeilles qui se groupent sur le frelon. On voit aussi les abeilles qui se jettent sur l'appareil. Thank you.
Ah, il bouge encore, hein. Surtout l'appareil. C'est un peu la confusion. On voit bien que les abeilles ne viennent pas toutes se grouper autour du frelon, mais elles sont un peu partout et n'importe où. Mais quand même, elles font du bon boulot de défense. Hein. Parce que là, ce frelon, il a été coincé, je ne sais pas comment, j'ai pas vu. Mais c'est pas moi qui l'ai jeté dans la grappe. Hein. Donc ils ont vraiment réussi à le coincer. Là il y a un frelon asiatique aussi qui tourne. Hein. Ça se trouve il va attraper une abeille, il va en profiter. Bon il est parti. Bon je vais couper la vidéo parce que là ça fait un peu long. Allez bravo les filles.